Dans le cadre du Festival européen latin grec 2022, qui prend pour thème l'Édiproie de Sophocle, je vous propose une lecture de cette même pièce, des vers 1369 à 1415. Il s'agit d'une longue tirade d'Édipe, à travers laquelle il explique au coryphée pourquoi il a choisi de se crever les yeux plutôt que de mettre fin à ses jours. Il s'agit là d'un grand moment de réalisation où Édipe prend conscience de l'horreur de la position dans laquelle il se trouve. Voici ma lecture. N'essaie pas de me démontrer que j'aurais pu mieux agir. Ne me donne plus de conseils. Je ne sais en effet avec quel regard j'aurais abordé mon père en arrivant dans l'Hadès, ou ma mère infortunée car j'ai commis contre eux des crimes que n'expirait pas la pendaison. Et le visage de mes enfants, n'est-ce pas, nés comme ils sont nés, était bien désirable à regarder pour moi? Non, certes, mes yeux à moi ne pouvaient plus les voir, ni eux, ni la cité, ni les remparts, ni les statues sacrées des dieux. Hélas! Après avoir mené à Thèbes l'existence la plus glorieuse, je m'en étais privé moi-même, quand j'ordonnais à tous de repousser le sacrilège, celui que les dieux avaient déclaré impur et de la race de Laïos. Après avoir révélé en moi-même une telle souillure, pouvais-je regarder ces gens-ci sans baisser les yeux? Assurément non. Et si l'on pouvait encore empêcher les sons de pénétrer par les oreilles, je n'aurais pas manqué d'en priver, non, mon misérable corps. Afin de ne plus rien voir, de ne plus rien entendre, car c'est un soulagement d'avoir l'esprit insensible à mes mots. Ô Cithéron, pourquoi m'as-tu recueilli? Pourquoi, après m'avoir reçu, ne m'as-tu pas tué aussitôt? Ainsi, je n'aurais jamais dévoilé aux hommes de qui j'étais né. Ô Polybe, Corinthe, vieux palais que j'appelais le palais paternel, quelle honte vous avez fait grandir en moi sous la beauté qui l'est cachée. Car aujourd'hui, je suis un criminel, un être issu de criminel, tout le monde le voit. Ô triple chemin, ombreux vallon, bois de chêne, étroit passage dans les trois routes, vous qui butez mon sang, que versèrent mes propres mains, le sang de mon père, vous souvient-il des crimes dont je vous souillais? Et ensuite, après être venu ici, de ceux que je commis encore? Ô Hymen, Hymen, tu m'as donné la vie, et après me l'avoir donnée, tu as fait germer une seconde fois la même semence. Tu as montré au jour des pères frères de leurs enfants, des enfants frères de leurs pères, des épouses à la fois femmes et mères de leurs maris, et toutes les plus grandes turpitudes qui peuvent exister parmi les hommes. Allons, car il ne sied pas de dire ce qu'il est honteux de faire. Hâtez-vous, au nom des dieux, de me cacher loin d'ici, n'importe où. Tuez-moi, jetez-moi dans la mer, en un lieu où vous ne me voyez plus. Approchez-vous, ne dédaignez pas de toucher un misérable. Croyez-moi, ne craignez rien. Mes maux sont tels que personne n'est capable, excepté moi, de les supporter parmi les hommes.